Bonjour tout le monde, c'est Absolu Cario, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très très bien. Hein. Pourquoi? Parce que bah déjà on va s'ouvrir un petit coffret Thor Tank, et ça fait vraiment plaisir. Alors c'est un des deux coffrets qui sont sortis récemment, en date officielle du 18 juin, mais qui sont sortis un petit peu avant dans certains magasins comme par exemple La Grande Récré ou à Micromania. Moi je les ai trouvés à Micromania, donc n'hésitez pas à aller voir dans vos magasins, s'ils en ont encore. Celui-là j'ai décidé de l'ouvrir parce que bah. Ici, de toute façon, il était décellé. J'en ai gardé deux scellés pour moi, un Thor Tank et un Dracaufeu. Celui-là, il était décellé, c'est le dernier qu'il y avait à Micromania. Il y avait deux boosters Pikachu, donc je me suis dit, c'est un signe, il faut qu'il soit ouvert celui-ci. Donc je l'ai pris. Et puis, de toute façon, je comptais les ouvrir. Donc, Et puis, le Thor Tank est vraiment une très très belle carte. C'est ma préférée entre la Dracaufeu et la Thor Tank. Parce que c'est Kawayo qui a fait la carte. Et je la trouve vraiment très très belle. Très très. On va dire, c'est fait vraiment une peinture, quoi. On dirait vraiment une peinture, c'est vraiment très joli. Donc, on va s'ouvrir ça. Sachant que dans Génération, il me manque pas mal de cartes. J'arrive pas à compléter. Il va manquer 3 ou 4 holographiques. Et ben après, ce sont des ultras de la Pokécune, les foulards de la Pokécune, et puis pas mal d'ultras de Génération en général. Donc, c'est parti. Désolé pour les oreilles, pour le bruit. Je vais d'abord vous montrer la carte promotionnelle. Elle est vraiment superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi en commentaire si vous préférez la Thor Tank X ou la Dracaufeu X. Mais celle-ci, elle est vraiment géniale. Et puis, pour couronner le tout, en plus, ils nous l'ont offerte en jumbo. Et ça, c'est vraiment très bien. Bon, la qualité n'est pas la même que la carte normale. Hein, mais. C'est vraiment très sympa si vous voulez faire un petit cadre avec les deux cartes, et quand ils sortiront le coffret Florizarre et Pikachu, faire un petit cadre pour afficher, ça fait vraiment de très jolies images. Donc n'hésitez pas. Celle-ci, je vais la laisser en fond, tiens. Hop, je vais récupérer les 4 boosters. Tac, tac. Hop. Je vais la laisser là. Puis la petite carte promo aussi, parce qu'elles sont vraiment trop belles. Donc on a deux Florizarre et deux Pikachu. Donc en fait on n'a que deux illustrations sur les quatre, j'ai même pas vu qu'il y avait que deux Florizarre en fait. Donc ça tombe bien. On va dire que c'est un coffret buggé, hein. Et qui vaut très très cher. Attention. Hein. Donc deux Pikachu, deux Florizarre, et on va se les ouvrir dans cet ordre-là. Puisque comme ça, c'est pas trié. Hop. C'est parti. On commence avec le petit Pikachu. En espérant que Pikachu et Florizarre nous portent chance dans cette ouverture. Les cartes que j'aimerais. Ce serait les full art en fait de génération, à savoir Elector et Articodin. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tac. Voilà. C'est parti, on va commencer avec un petit Fantominus que j'adore. Le Krabby, qui est un Pokémon doux crabe. Hein, parce qu'il est très doux en fait. Le Machoke, avec les petits racailloux. L'énergie plante. J'aimerais bien aussi les énergies en reverse, elles sont vraiment super belles. Je crois que pour l'instant j'en ai 3 ou 4. Je crois que j'en ai que 3, mais. Et il y a toutes les énergies qui existent, donc. Pour les avoir en reverse, ça risque d'être coton. Donc énergie plante. Tilton. Ça c'est une carte de la Radiante. Sana. Le Spectrum. En reverse, on aura le sac de nœuds. Qui est la carte qui est disponible chez Toys R Us. Je ne sais pas si vous êtes allé voir dans votre Toys R Us. Tous les mois, il y a une nouvelle carte promotionnelle. Donc c'est ce mois-ci, mois de juin, c'était sac de nœuds. Donc je ne sais pas si on reste chez vous, hein. N'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on aura, ah super, un Nymphali X. Donc une ultra dans la Pokécune. C'est la première fois que je pioche une ultra dans la Pokécune en vidéo. C'est quand même dingue. Donc ça fait plaisir, Nymphali X. Et on finit sur l'Hippoutou en rare, que je ne sais plus si je l'ai ou pas. Le Mâconnier derrière. Qui se la pète un peu hein, quand même. Donc voilà. Je crois que les Poutous, je suis même pas sûr de l'avoir en rare, donc c'est très bien. Et puis Nymphali X, je l'ai pas non plus. Donc ça fait plaisir. On continue avec le petit Florizarre, plutôt l'énorme Florizarre. Hein. Il pèse son poids le petit. Hein. Allez, hop. Les boosters s'ouvrent plutôt bien, donc ça c'est cool. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, j'ai fait que 1, 2, hop. Voilà.
Tac, on commence, je crois, comme tout à l'heure avec Fantominus. Krabi. Bon, je suis sûr que je dois avoir les mêmes communes que tout à l'heure. Oh, Machoke. L'énergie plante, mais c'est bizarre, dis donc. Ah, Stalgamin, de la radiante. La double énergie incolore. Le rappel max. En reverse, ben, on aura l'Aliputou qu'on vient d'avoir en rare. Ok. Ensuite, en carte de la radiante. Le Sucroquin, j'aime bien, moi j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très jolie. Parmi les Sucroquins, parmi les gâteaux là, ça, il est dans son élément, hein, parce que lui c'est un petit peu de la, on sait pas trop ce que c'est. On mélange entre chamallow et meringue. On finit sur le Macogneur en holographique, je crois que je l'ai déjà. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez pas, à me l'échanger contre une autre holographique, ça me ferait plaisir. D'une série d'Y que j'ai pas, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à me contacter, pas de soucis. On continue avec le petit Pikachu, le deuxième Pikachu. Donc pour l'instant, une ultra, une holo, c'est plutôt bien. On est plutôt bien parti. Tac. 1, 2, 3, 2, 3, comme tout à l'heure. Hop. On continue avec l'énergie électrique. Un tout petit Ramolos, parce qu'il est vraiment tout petit là-bas. Coucou Ramolos, reviens. J'ai la voix qui part en live. Alors, bon, moi j'aime bien cette carte. Machoke. Le petit Paras qui est sous la pluie, comme chez nous. Le pauvre petit. Psystigris de la Radiant Collection. Melodelph. En peu commune. Je crois que c'est une rare dans je ne sais plus quelle série d'Y. Je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est une autre. Evolusoda. Lem en reverse. En carte Pokékyu, on aura Jirachi. Je crois que je l'ai déjà. Ou je dois l'avoir. Et pour finir, ah, un Galopin en rare. Je sais pas si, même pas si je l'ai, Galopin en rare. Je sais que je l'ai pioché en reverse. Je crois même pas que je l'ai en rare. Bon, bah très bien. Très très bien. Et dernier petit booster. Le Florizarre. Allez, une petite ultra dans génération, ce serait bien. Ce serait nickel. J'aimerais bien avoir par exemple le méga. J'aime beaucoup le méga Florizarre. Je le trouve vraiment très très beau. Ce serait cool de le choper. Tac. Puis tout ce qui est Voltali. Voltali, je l'ai chopé. Il manque les autres évolutions. Ce serait bien. Évolution, pardon. Fantominus encore, ça fait quand même 3 fois qu'on commence par Fantominus. Alors je sens que je vais avoir les mêmes communes que tout à l'heure. Oh Krabi, après c'est qui? C'est Machoke. Ah non, ah bah ben. Bon, c'est pas grave. Énergie électrique. Ramolos. Le Salamèche qu'on n'avait pas encore chopé. Le Maillet écrasant. Le Machoke qui prend sa douche tranquillement. En reverse, on aura le Chenipan en commune reverse. En Pokétune, on aura. Waouh, super! Nymphali X Full Art. Ah bah je l'avais pas, donc ça tombe très bien. Donc c'est Anato qui va être contente. Enfin, elle va rager plutôt que je l'ai pioché, parce que c'est une carte qu'elle l'a déjà, hein, mais si elle peut la voir en 10 000 fois, elle serait contente. Mais bon, je pense que celle-ci, elle ira dans ma collection du coup, puisque je ne l'ai pas. Elle est très très belle, et on finira avec encore Liputou. Bisous! Avec Liputou. Donc très bien, bon, on a quand même une bonne pioche, hein, y a pas à dire. On va pas se plaindre. Donc, en résumé, on aura eu donc la Nafali Full Art. Attendez, genre, je vais recevoir les cartes. Le petit, il est où? Voilà. Macogneur holographique. Le Nafali normal. Et donc c'est une ouverture Nafali aujourd'hui. Et voilà. Pour moi, les cartes de l'ouverture, ce sont celles-ci. Et bien entendu, la petite carte promo Tor Tank X qui est vraiment superbe. J'aime beaucoup qu'ils aient mis plusieurs Pokémon sur la carte. Ça fait penser au secret de maintenant où il y a plusieurs Pokémon. Donc le Léviator est magnifique. Le petit Aquali aussi. Très très jolie carte, hein, pas à dire. Donc n'hésitez pas à me dire si cette ouverture vous a plu. À laisser un petit commentaire, j'y répondrai sans hésitation. Ça me fait très très plaisir que vous commentiez les vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas le cas et si vous voulez suivre ma chaîne bien évidemment. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Allez, salut tout le monde.